avez absolument raison. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ici, tout va bien. Virginie est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Luc, ça va? Tous. Bah, ça va très bien, très bien, oui. Marie-Paul Wolf est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment va Marie-Paul Wolf? Ça va bien Jean-Luc. Vous savez, je vous ai trouvé un copain de télé. Ah oui, ouais. Avec lui, on va parler du Pantin sans visage tout à l'heure. C'est une BD, c'est pas pour les tout petits, mais pour les ados et pour les adultes. Et on parlera de concert BD, c'est un nouveau concept, et je crois qu'il est grand temps qu'on parle d'Alex et rentrer dans la vie un petit peu d'Alex. Alex, il a écrit son nom, vous l'avez vu, hein, A-L-A-L-E-H-X. Déjà, quand on voit comment vous vous prénommez, ouais, et comment vous l'avez orthographié, je me dis que l'univers doit être un petit peu... Vous devez vous compliquer la vie, compliqué. Non. Pas fait pour les journalistes, en fait. Ouais. Je vous remercie. Eh ben alors, on n'en parle plus, voilà. Je vais tout de suite parler de Marie-Paul Wolf. Je sais que vous avez un petit-fils, vous avez même deux petits-enfants. Oui, petite fille, petit-fils. Et eux ne sont pas encore concernés par cela, oui. Mais vous, par exemple, vous pourriez être concernés comme tous les ados et les, on va dire, les adolescents, hein, c'est le bon mot, et peut-être, les adultes, hein, Alex. Mmh, les adultes. Adultes, justement. Et même les vieux. Bah oui, les 30 ans, ceux qui aiment la BD. Puis qui, voilà. Alors, l'idée, le concept, c'est de se dire, voilà la BD. La BD, en tout cas, en l'occurrence, on va parler du Pantin sans visage. Vos personnages, alors vous dites que vous aspirez de Björk, Noir Désir, Porchetted, Radiohead. Forcément, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous êtes bien d'accord? Pas tellement. Donc, on est dans un univers qui est plutôt noir, hein, un peu étrange. Et là, vous parlez de musique. Mais en fait, c'est une BD musicale, du coup. Exactement. Et là, si vous le voulez, dans quelques secondes, on va pouvoir vous présenter son œuvre. On a quelques images, si vous pouviez déjà nous les commenter, d'accord? Alors oui. Allons-y. Donc bah, ça, c'est la bande-annonce. C'était au lancement, en fait, l'année dernière, en décembre. C'était sorti, la BD musicale était sortie. C'est donc aux éditions Durier, pardon. Et on n'a pas le son, mais... donc, en gros, ça, c'est un monde industriel recouvert par la forêt. Les habitants n'ont pas de bouche et un vieux créateur donne vie à un pantin sans visage. Et donc il devra découvrir le monde juste avec Louis, le toucher. Donc c'est en gros une quête de liberté contre l'oppression, on va dire. Voilà. Oui, parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Donc la liberté, il y a l'écologie aussi un petit peu. Ouais, ouais, un peu, ouais. Et le handicap, quelque part. Surtout, oui. C'est une quête des sens. Vous avez bien travaillé. C'est une quête des sens. Hein, oui, un peu. Oui, c'est la quête des sens. Oui, d'ailleurs, il y a une, voilà, la Pantine qui lui dessine des yeux à un moment donné, donc il a un nouveau, voilà, sens, donc effectivement. Il faut qu'il découvre les sens au fur et à mesure de ce que l'on enlève ou ce qu'on lui donne. Alors, en amont de la BD est sortie, si j'ose dire, pratiquement la bande originale, parce que c'est, ouais, c'est un peu ça. Donc là, vous avez les chansons. Et lorsqu'il y a BD concert, il y en a à peu près une quarantaine par an, hein, c'est un peu ce que vous avez fait depuis le lancement. Depuis, oui, c'est ça, une, hein, quarantaine. Donc vous avez la possibilité donc de suivre sur grand écran les images, animées cette fois-ci, et vous avez l'artiste, à savoir Alex, en live, aux instruments, qui vous propose de suivre cet univers. On a là encore la possibilité de vous montrer ceci, mais cette fois-ci avec du son, regardez. Hey man, take it easy. Hey man, don't be hungry. Young boy, pay attention. Young boy, the end of destination. I'm in your mind. Poor man, look at this smile. I am imbecile. I don't need tears. Again and again, be my toy, be my toy.
Là, on peut simplement dire à nos amis téléspectateurs que vous chantez en anglais, mais que les chansons sont en français dans le spectacle. Oui, oui, c'est quelques-unes en anglais, mais... C'est vous le narrateur de l'histoire. C'est ça. C'est quoi un conteur polymorphe ? En dites-vous que vous êtes un conteur polymorphe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je compte en images et en musique, je suppose. C'est pour ça ? Je pense. Quand vous avez fait la bande dessinée, fait la musique, vous avez fait quoi en premier ? La musique ? La musique, ouais. D'accord. Et en gros, c'est la BD qui est la BO du CD, c'est un peu bizarre. Oui, c'est à l'envers, en fait. Votre musique, c'est un peu une plainte de souffrance. Oui. Ça va avec l'histoire. Oui, mais c'est tout dans le ressenti. Ça passe tout à fait dans votre musique et dans vos dessins. C'est quelque chose d'incroyable. Elle veut dire par là, est-ce que vous êtes bien dans vos baskets à 27 ans aujourd'hui, dans ce monde-là, ça peut... Oui, mais je veux dire que vous voulez retranscrire ce que vous ressentez actuellement. Mmh. Voilà. Bon, oui, si ça marche, c'est bien, tant mieux. Oui, mais je trouve ça assez terrible qu'un jeune de 27 ans comme vous, vous avez une pareille... Il y a une souffrance, une plainte, une souffrance. Moi non, mais... Oui, mais... Moi, ça peut être aussi un rôle de composition. On peut très bien aussi rentrer dans un personnage. Oui, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est vraiment l'essence, la plainte, la souffrance. On dirait une musique un peu... On n'appelle pas ça mineur, vous savez, le tempo. Si, oui. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai aucune notion de musique. Non, mais... Toujours, c'est cette tempo qui revient. C'est ça qui fait qu'on ressent la souffrance. Une angoisse, c'est ça que vous voulez dire ? Ben oui. Pas jusqu'à l'angoisse. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant. Pas jusqu'à l'angoisse. Une autre question. Le personnage n'a pas de bouche. Enfin, ils n'ont pas de bouche sauf un. Ouais. Et celui qui en a une, vaudrait mieux qu'il n'en ait pas. C'est le méchant. Marionnettiste. Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur ce concept-là ? Je n'ai pas choisi, en fait. C'est un symbole d'oppression. Que les habitants n'aient pas de bouche, c'est... Ils ne peuvent pas réagir. Ouais, voilà. Les dictateurs. Ils sont soumis. Oui. C'est ça, tous. Alors, je ne vais pas vous demander la fin, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'heureux ou est-ce que... Oui, ce n'est pas que sombre. Mais c'est quoi les messages que vous voulez faire passer ? Parce qu'à travers votre œuvre, votre art, vous faites passer un message, forcément. Ah oui, sans doute. Fort. Mais libre à chacun de réfléchir. Il y a peut-être plusieurs lectures. Il y a une aventure qu'on peut juste découvrir comme ça. Et le concept, vous l'avez eu ? Vous avez eu l'idée comment ? Par la musique. C'est d'abord la musique. En composant, j'ai eu toutes les images en fait de la BD qui me sont venues. Je me suis dit quitte à faire des chansons dans un album, autant les lier entre elles. Mais il faut savoir tout faire. Mais vous êtes également l'illustrateur. Oui. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, un artiste illustrateur complet. Mais ce qui m'intéresserait, c'est la suite de ça. Alors le prochain, vous nous l'amenez. Ça se passera au marché couvert de Nancy. Non, mais je veux dire, je serais curieuse de voir la suite et votre évolution. Là, c'est prévu. D'ici 2-3 ans, parce que je pense qu'il y aura une évolution. Alors, c'est quoi la suite ? Ah, bah ça, c'est encore secret, du coup. Oui, mais il y aura une évolution. Mais on va lui laisser, Marie-Paul Wolff, il va tout nous dire. Quand on sent les choses, il faut Alex, que vous serez où ? On peut voir où en région, là, à partir du 10 novembre, par exemple ? Donc, effectivement, le 10 novembre, le 11 aussi, au Joute du Téméraire. À Vendeuvre, ce sera une expo, donc il y a des tableaux tirés de l'univers du Pantin sans visage et une séance de dédicace. Et sinon, le 16 novembre... Vous faites des toiles également, c'est ça ? Ouais. Vous voulez dire ? Ah, d'accord. Et donc le 16 novembre à Pompée, près de Nancy, c'est gratuit, c'est une BD-concert. Donc le spectacle... Je crois que vous allez avoir un public. Vous correspondez, à mon avis... Pour l'instant, ça va, oui. Et moi, je le ressens comme ça. Vous êtes en plein dans le mille. Vous avez été avant-gardiste et vous avez vraiment préparé quelque chose à une époque. Je suis sûr que vous aurez par Marie-Paul. Je vous remercie, je vous invite à ça. Je vous invite, Marie-Paul. Oui, mais je suis sûr que vous aurez un public. Sûr. Vous voulez pas aller faire un tour ? Vous pouvez aller faire un tour si vous voulez. Vous serez pas avec les enfants, par contre. Oui, voilà. Non, mais je veux dire que vous aurez un public. J'en suis persuadé. Merci. Virginie, on vous retrouve en deuxième partie. On voudrait quand même bien voir comment il l'est fait. Hein.